capable de tout respect. Bonjour, Charles. Un sénateur, you lost all respect. Absolument pas. Charles, tant que tu vas être présent, je vais toujours te parler. Ah, c'est moi, je vais pas te parler. Toi, t'es un sénateur. Je vais pas me parler de même. Okay. Toi, t'es un sénateur, veux dire. Tu veux plus me parler. Comment t'as été appointé? Qu'est-ce que tu connais? Tu veux plus de même. Franchement, Charles, tu veux plus me parler. Moi, j'aimais le vieux dinosaure qui se battait. Je m'ennuie un peu de vous autres. C'est pour ça que je viens vous voir. Oh, c'est pour ça. Bien, so, oui. Comment ça va être un sénateur? T'as des belles épinglettes. Tu changes de sujet encore? Non, je dis t'as des belles. Mais sénateur, do you speak in the house? What do you do? Ouais, je suis le président du comité sénatorial sur l'agriculture et la foresterie. Puis ça va bien, Charles. On est après faire une étude intense sur la foresterie à travers le Canada. C'était plus intéressant être un sénateur qu'être ici. Servir les gens du Nouveau-Brunswick, que tu sois conseiller scolaire, que tu sois conseiller de ville, de village, que tu sois président de district de services locaux, que tu sois maire, que tu sois député provincial, que tu sois député fédéral, que tu sois ministre provincial. As-tu une opinion? Pour les maudits libéraux, que tu sois sénateur. Non, je dis pas ça. Je sois sénateur. Les gens du Nouveau-Brunswick, on est chanceux, les Canadiens, qu'on peut choisir nos gouvernements puis nos représentants. Bon, on peut pas choisir les sénateurs, ils sont pointés. Ça, c'est la prérogative de la Constitution canadienne, mais je peux te dire que le premier ministre, M. Harper, a des changements, on propose des changements, puis j'espère que ces changements-là, on va réussir les changements proposés par la vision de notre premier ministre Harper. Comment que my Duffy fait? Enjoy M. Duffy, là, lui, il est pas mal spectaculaire. C'est un gars beaucoup de connaissances, c'est un gars qui aime être sénateur, puis il aime participer. Puis c'est un gars qui aime sa province, l'île du Prince-Édouard. Puis d'ailleurs, on a quelque chose en commun. Ben, c'est un journaliste. On a quelque chose en commun tous les deux. Puis c'est un journaliste. Toi, tu as des qualités de journaliste. Oh, tu considères moi comme un journaliste? Bien oui. Moi, tu fais la pause quand tu étais député. Ça, non, mais bon. Tu ne m'interviewais pas avant. Non, quand tu chaisais tout dans le monde, là. Non, c'est pas vrai, ça. Ah ouais, ça, c'est vrai. J'ai pris le temps de vous parler. Ça, quand ça passe, les libéraux, ici, ou les maudits libéraux, quand vous dites avant. Non, moi, je dis pas ça. Ça, c'est des mots que toi, tu dis, là. Moi, je dis que les gens du Nouveau-Brunswick, là, ont toujours su choisir leurs représentants. Puis, je peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver à la prochaine élection. Mais je peux te dire, par exemple, je vais suivre ça de près. Merci beaucoup, Percy. Merci.